Bon, salut les gars, bon, aujourd'hui on va faire un petit vlog à l'ensilage d'herbe. Donc aujourd'hui on est chez nos voisins qui sont sur la même commune que nous. Donc on travaille quand même pas mal ensemble pour les ensilages et avec la Cuma. Donc là c'est leur T7 225 qu'ils ont eu cette année. Avec la benne, la démarrée, c'est une 18 tonnes il me semble, oui c'est ça. Et moi je suis avec l'action, plutôt tranquille. Vous voyez, le chemin est pas super plat, ça se coud un petit peu, mais le pont avant et la cabine suspendue sur quatre sorts, c'est vraiment un vrai confort. Moi, je suis pas avec la gentille aujourd'hui, c'est mon oncle qui l'a prise pour aller sur un autre chantier d'ensilage. Je suis avec la campagne d'un collègue. Et on la voit un peu dans le rétro. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc on arrive déjà au silo. À la lessieu suiveur, faut pas oublier de le rebloquer sur la route après. Donc juste un petit coup de distributeur, ça suffit. Et donc vous voyez, on arrive déjà au silo. Là il y a un petit peu de matos, il y a le John Deere de Julien Loubarèche, l'entrepreneur qui ensile aujourd'hui. Donc c'est aussi celui qui ensile chez nous. Il fait également de la prestation de fauche. Vous voyez, 6195 R avec un groupe Krone en 8m 70 ou 9m, je sais pas exactement, devant une cune. L'autoguidage qui va très bien pour faucher, et en plus il est en commande pro. Là, un de nos anciens JCB, il n'a pas été bien loin, il a été chez les voisins. Là-haut, c'est un T4 ou un T5, un T5, et là un T6 145, donc en variation continue, plutôt sympa pour monter le tas avec la petite fourche des voies à l'avant. Moi je vais vider et après on va aller voir l'ensileuse. Je vais vous poser le téléphone juste ici, le temps de reculer. Donc semaine bien chargée, les semis de maïs sont terminés, donc ça c'est cool. Hier soir j'ai attaqué de désherber les maïs. Donc j'avais jamais fait, de pulvée encore. Donc mon oncle m'a enseigné comment fonctionnait le pulvée et tout. Donc c'est plutôt agréable à faire. En plus hier soir j'étais avec l'autoguidage de nuit, c'était plutôt sympa. Il faut le laisser finir de redescendre avant de le coincer parce qu'après c'est galère pour vider l'air propre. Donc ouais, les semis de maïs ont été terminés hier, hier en milieu d'après-midi. J'ai perdu un petit peu de temps, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram, j'ai le produit des sangliers qui s'était tout collé dans les disques du semoir, donc les disques de distribution. Donc il a fallu tout que je démonte et tout que je nettoie pour finir de semer parce que ça ne voulait plus rien faire. Donc là, la remorque, elle se lève avec un groupe. Il y a une pompe sur la remorque, donc ça tourne à la cardan là. En 1000 éco, pas besoin d'accélérer, ça se lève assez vite. Donc là aujourd'hui c'est pas un gros chantier, il y a 18 hectares à ramasser. Ils en ont déjà fait une quinzaine je crois l'autre jour, mais on n'était pas venu, ça tombait en même temps que tout le monde en silé. Il faut tirer sur la corde pour la faire descendre.
Donc là, on est quatre remorques. Il y a deux remorques à peu près similaires à celle-là. Là, 18 tonnes et il y a une petite 8-10 tonnes avec les premiers classes à rayon 410. Donc il faut bien ça quand même pour en tenir à l'ensilage parce que mine de rien, même que ça soit pas loin, il y a de la cadence et ça avance assez vite. Donc là l'ensileuse, bon, je vous filme avec mon téléphone, hein, c'est pas du grand luxe. Vous voyez, donc il y a le puma de la Kuma avec une benne démarrée également. Donc ouais, je vous disais, c'est pas du grand luxe comment je vous fais les vidéos en ce moment, mais bon, il y en a qui aiment bien, ça a l'air de vous plaire, il y a pas mal de bons commentaires, donc ça me fait plaisir. On approche bientôt la barre des 20 000 également abonnés, donc c'est plutôt positif, moi ça m'encourage. Donc continuez à partager les vidéos, liker. Plus on est, plus ça motive à faire des vidéos. C'est la meilleure récompense de voir que le nombre d'abonnés augmente. Donc voilà. De nouveau, aujourd'hui, des paysages plutôt sympas depuis le bureau. Il y a pire comme vue, je pense. Et ça poussière dans les chemins. Bon, l'Action, il est vraiment confortable, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un régal, ce tracteur, pour rouler à l'ensilage. Il y a des coins, c'est pas tout plat, donc bien content d'avoir un peu de puissance et de l'adhérence par moment. Vous voyez, le puma de la Kuma. Bon, c'est pas arrêté le temps de midi parce que vous voyez, il y a des nuages qui commencent à arriver. J'ai regardé sur le radar, il y a des nuages qui arrivent du côté du Cantal et tout. Ça arrive de l'océan et en général, quand ça arrive de l'océan de l'ouest, de là-bas c'est l'ouest ici, on peut être pratiquement sûr d'y attraper. Donc c'est marrant, j'ai un collègue avec qui je m'entends énormément bien, qui est du Cantal, avec qui on était en BTS ensemble. Et quand on est dans les périodes de bourre comme ça, où on ne sait pas si le temps qu'il va faire, on s'envoie des messages pour savoir quel temps il fait chez lui ou parfois quel temps il fait chez nous quand ça arrive de l'Est. Donc c'est plutôt marrant, on a vraiment la météo en direct, de savoir s'il va pleuvoir dans une heure ou pas. Bon, le chantier avance vraiment vite, sachant que c'est fauché en 9 mètres, donc d'ici une heure ça sera plié. Là vous voyez, il est une heure, donc d'ici 14 heures il restera pas grand chose à mon avis. C'est bien que ça en avance, moi ça me permettra d'aller finir de désherber ces maïs en fin d'après-midi et ce soir. Donc si je pouvais faire ça avant la pluie, ça serait plutôt bien. Donc semaine prochaine, je pense qu'il y a une grosse semaine qui se présente. Nous on a une trentaine d'hectares à ensiler et il y a notre voisin, celui qui nous a prêté la benne La Campagne, qui a aussi 60 hectares à faire. Donc je pense que ça devrait être sympa. Je vous referai une vidéo. Donc pour vous situer, le gros chantier, ça se passe là-bas derrière dans le trou. Ça fait une grande vallée et rien que là-bas, il y a 27 ou 28 hectares, je crois, ensilés qui se touchent presque tout d'un seul tenant.
Là, c'est pas avec notre équipe, il y a une autre ensileuse qui tourne un peu plus loin. Bon, je suis l'ensileuse, c'est plus pour vous faire des images, mais sinon vous vous doutez bien que quand c'est pas mon tour, j'attends au coin du champ. Allez, c'est à mon tour. Vous voyez, là on est vraiment sur le plateau de Fix. Ça fait une petite plaine où il y a vraiment des belles parcelles. C'est super plat. Et après, de chaque côté, il y a du dévers. Donc là, il y a vraiment des jolies parcelles sur cette plaine. Il y a une route de chaque côté. Donc quand il y a des grandes parcelles, c'est super pratique pour rentrer et sortir. Ça va pas trop mal. En face, on voit tous les sucs du Mézin. Je vous dis, il y a vraiment un joli panorama, c'est vraiment sympa. Bon, allez, je vais faire pause et je vous reprends juste après. Bon, changement de parcelle, celle-ci c'est la dernière. Donc je dois faire 1,5 hectare, 2 hectares, celle-là. Repliage du pick-up, donc pick-up IDAS repliable 4,50 m, je crois qu'il fait. Donc là c'est vraiment, là, il se pose pas de questions pour ramasser un, il sait que l'andin passe tranquille sur le pick-up, donc ça avance quand même assez vite. Il me semble qu'il a aussi un petit pick-up quand il sait qu'il va faire une journée où il ramasse que 9 mètres. Parce que bon, là, l'avantage c'est qu'on peut faire différents types de clients, quoi. On peut ramasser en fauché à 9 mètres et ramasser du 6 mètres comme nous on fait, 2 andins par 2 andins. Donc c'est quand même polyvalent, et une fois replié ça prend quand même pas énormément de place sur la route. Ça rentre en gabarit routier de l'ensileuse, donc plutôt pas mal. Bah, allez, en détour et... on s'arrêtera voir le régrade tout à l'heure en repassant à côté. Bon, remorque chargée, on va s'arrêter à regarder notre régrat là qui est juste à côté. On va voir un peu s'il a du potentiel. On va voir un peu ce que ça vaut. Donc là, voilà, on arrive à la parcelle. Donc celle-ci là, elle n'est pas à nous. Nous c'est celle-là et elle va jusqu'au poteau de téléphone là-bas, mais on ne voit pas au téléphone. Donc c'est une parcelle qui fait, il me semble, 7 hectares et quelques. Donc voici la benne, la campagne. Bon, elle est quand même un peu longue. Il la rentre bien un peu dedans. Il va
fait un bel ensemble avec l'action. Bon, j'ai pas chargé à fond. Oh, ça me semble pas vilain, il y a du trèfle. Et ça m'arrive largement au-dessus du genou. Ça devrait pas être tout mauvais. Bon allez, on va vider au silo et ça sera à la fin de la vidéo. Bon voilà, dernière remorque de ce chantier. Donc on va bâcher ça. Cet après-midi, je vais sûrement aller récupérer l'arion pour aller finir de désherber mes maïs et puis voilà. En attendant, moi je vous tiens au courant de ce qu'on fait un peu la semaine prochaine. Je vous ferai sûrement des vidéos à l'ensilage. Il y a des ensembles assez sympas normalement la semaine prochaine aussi. Donc on se tient au courant pour ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, le JCB qui finit le silo. Silo bien plein. Voilà, voilà, ça ira pas trop mal. Bah, allez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye bye.